Et nous bien content de retrouver toute fanatique nous yo et toute fanatique et football yo surtout et côté que nous pas partager en pile vidéo ensemble avec vous côté que nous pas rater rien sur channel ça depuis que vous abonné avec channel là ou pas perdre aucun vidéo sous aucun prétexte et mais nous pour aujourd'hui nous pas parler de tout ça qui a fait actualité dans le marché de transfert et dans le football européen, pourquoi pas le football mondial, là, côté qui a un joueur qui a quitté l'équipe, côté où tu as joué pour aller dans l'autre championnat, qui a quitté l'équipe, où tu as joué pour aller dans l'autre équipe, mais c'est dans le même championnat. Nous avons parlé de ça. Et information que nous avons parlé de, nous avons parlé de Adama Traoré. Nous connaissons Adama Traoré, c'est un international espagnol que lié qui quitte l'Angleterre pour retourner en Espagne côté que le Prat poté couler FC Barcelone n'a vienne parler de ça. L'autre information que nous parler de lui encore nous parler de Stefano Sensi. Stefano Sensi international italien ça qui t'a poté couler Inter de Milan, nous connaissons Stefano Sensi qui était souvent équipe Inter de Milan côté que lui quitte championnat. Et bon, il n'a pas quitté le championnat d'Italie, il a quitté l'équipe Inter là, mais c'est toujours dans le championnat d'Italie que lui pral évoluer, mais c'est sous couleur une autre équipe n'a vienne parler de ça et n'a vienne dire mais à qui équipe lui aller. Nous parlons encore de Dusan Vlahovic. Et Dusan Vlahovic qui c'est un international serbe qui t'a joué en dans l'équipe Fiorentina qui fait Vuelta qui aller en dans l'équipe Juventus de Turin. Pendant que il quittait Fiorentina, mais Fiorentina lui-même, il prend un autre joueur qui c'est un Brésilien, qui c'est Arthur Cabral, qui est venu dans FC Ball, dans le pays de la Suisse, pour que lui vienne remplacer Dusan Vlahovic en dans l'équipe Fiorentina. C'est toute information que nous avons pour nous partager ensemble avec vous. Et restez branchés, pas déconnectés, nous allons tourner tout de suite après pour ça. Et allez-vous. Nous retournons après pour ça, madame, monsieur, côté que nous parlons développer toute information que nous avons annoncée dans mes nuits. Et nous parlons de Adama Traoré. Nous connaissons Adama Traoré, c'est un international espagnol qui a porté couleur Wolverhampton. Mais nous connaissons Adama Traoré, c'est un dans l'équipe FC Barcelona qui est formé comme joueur de football. Mais il a quitté FC Barcelona pour aller en Angleterre. Côté qu'il était allé en Angleterre, côté qu'il a porté couleur. Équipe Wolverhampton. Nous connaissons Adama Traoré qui marque jouer en dans l'équipe Wolverhampton ces derniers jours là. Mais par conséquent, FC Barcelone prêtait Adama Traoré dans main équipe Wolverhampton pour 6 derniers mois qui étaient pour saison 2021-2022 à fini. Est-ce que le transfert ça a porté du plus pour FC Barcelone ou bien tout est-ce que Adama Traoré fait un bon choix, à savoir quitter l'équipe FC Barcelone, quitter l'équipe Wolverhampton pour rejoindre l'équipe FC Barcelone. Nous ne savons pas qui ça et Adama Traoré pour apporter du plus pour l'équipe FC Barcelone. Mais, bonne équipe FC Barcelone fait Adama des priorités pour venir combler quelques vides qui gagnent dans l'équipe FC Barcelone. Côté que l'équipe en panne joueur qui a marqué goal, l'équipe en panne pour acheter jouer, c'est ça qui fait ouais c'est prêté ou prêté, mais c'est sous forme de prêt. Stefano Sensi, qui c'est un international italien qui t'a porté couleur équipe Inter de Milan, mais qui quittait équipe Inter de Milan pour lui al passer 6 derniers mois ça yo en dans équipe Sampdoria des jeunes. Nous connaissons Stefano Sensi qui t'a porté couleur équipe Inter de Milan qui pas joué assez en dans équipe là qui était plus rete sous banc des remplaçants mais li besoin yon porte de sortie. Nous connaissons Stefano Sensi, c'est un sélection de qui li habituel dans sélection italienne nan. Pour que li pas rete sous banc pendant 6 derniers mois qui rete yo là, li décidé quitter équipe Inter de Milan pour que li aller porter couleur équipe Sampdoria de jeunes pour la porter la main forte avec équipe Sampdoria de jeunes. Nous connaissons équipe Inter de Milan qui c'est premier dans le championnat d'Italie. Ouais, Stefano Sensi qui était équipe Inter de Milan et pour que il y a porter couleur Sampdoria. Mais il y a un joueur qui t'a fait chez Mévesta qui t'a toujours été en équipe Inter de Milan pour que champion championnat d'Italie parce que c'est tout rêve et un joueur qui a joué dans le championnat comme ça pour que ou remporter le championnat d'Italie. Mais est-ce que l'équipe Sampdoria de jeunes là lui est en pile bagaille dans Stefano Sensi
Est-ce que tout Stefano Sensi il peut apporter du plus pour l'équipe ça de regarder jeunes pour retirer ça de regarder jeunes dans niveau côté il y a pour monter le plus haut pour que soit la jouer Ligue des Champions ou bien la jouer Europa League parce que nous connaissons en Italie c'est 4 équipes qui qualifient direct pour la Ligue des Champions et puis Recio a qualifié pour Europa League. Est-ce que tout la qualifié équipe Sampdoria de jeunes là pour que Sampdoria de jeunes lui-même la jouer barrage Europa League. C'est une grosse question qu'a posé. Est-ce que Stefano Sensi est capable d'aider équipe Sampdoria de jeunes là sortir col dans niveau côté là dans place côté là ou bien dans position côté là. Maintenant c'est information qui concernait Dusan Vlahovic. Vous connaissez Dusan Vlahovic, c'est un international serbe et un jeune footballeur de 21 années qui quitter équipe Fiorentina qui a porté couleur Juventus de Turin et qui quitter équipe Fiorentina qui a porté couleur Juventus de Turin c'est un transfert qui coûtait Juventus de Turin 75 millions d'euros et Dusan Vlahovic qui parle porter le numéro 7 de Cristiano Ronaldo et c'est numéro 7 à qui il parle porter en dans équipe Juventus ça il y a temps à parler et c'est 2v7 et si que Cristiano Ronaldo gagne marqué qui c'est CR7 mais bon Juventus ça fanatique Juventus yo gétant a parlé de Dusan Vlahovic qui va porter numéro 7 là et yo gétant dit c'est marqué c'est DV7 et nous connaît Fiorentina qui pas chita et a regardé li gétant chercher remplaçant pour Dusan Vlahovic Vlahovic qui t'a vu une belle saison ensemble avec équipe Fiorentina mais kounya qui prête porter couleur et la Juventus de Turin, mais c'est pas sous forme de presse et un achat direct que lié Dusan Vlahovic pral jouer en dans équipe Juventus de Turin. Kounya là nous parler de Arthur Cabral et Arthur Cabral qui c'est un brésilien de nationalité qui a joué en dans équipe FC Bâle de la Suisse là mais qui quitté équipe FC Bâle là pour entrer en dans championnat d'Italie pour que il vienne porter main forte avec la Fiorentina. Et après le départ de Dusan Vlahovic en dans équipe Fiorentina pour lui aller en dans équipe Juventus de Turin hein? Et Fiorentina qui parete a gardé lui fait venir Arthur Cabral. Arthur Cabral qui t'a joué une belle saison avec FC Bâle de la Suisse et nous connaît joueur ça qui gagne en pile talent et qui gagne en pile qualité dans jeu qui gagne plus variété tout dans jeu lui vient remplacer Dusan Vlahovic qui t'a joué en dans équipe Fiorentina. Nous connaissons Dusan Vlahovic, c'est désormais officiel de quitter l'équipe Fiorentina d'aller porter support avec l'équipe Juventus. Ça, nous connaissons qui dans une position que Juventus pas jamais et dans 10 dernières années qui sont passées là. Nous connaissons Juventus qui pas et premier, qui pas deuxième, qui pas troisième dans le championnat d'Italie, mais il veut renforcer, il prend Dusan Vlahovic. Mais, de pas Dusan Vlahovic, Fiorentina lui-même, il fait venir Arthur Cabral. Nous connaissons un pile club en Europe qui a parlé de jouer ça, qui devrait faire jouer ça, venir en dans effectif pour venir porter la main forte avec l'équipe là. Mais, c'est Fiorentina qui lève la maillot, c'est donc Fiorentina qui prend pour ça, côté que il fait venir Arthur Cabral dans l'effectif LIA pour que lui vienne porter support ensemble avec. Voilà, madame, monsieur, et c'est avec un pile plaisir pour que nous te rentrer la carte pour nous te venir porter toute information sportive ça ensemble avec vous pour nous te venir partager vidéo ça ensemble avec nous. N'a dit ou pas hésiter garder vidéo a pas hésiter tendre nous et pas hésiter laguer un commentaire en bas vidéo a pour nous et commentaire là important pour nous et pas oublier ba nous ren abonné pas oublier ba nous un like en bas vidéo là comme ça nous même n'a avancé plus avec channel là et les ça tout n'a satisfaire plus souvent n'a satisfaire chaque jour pour que channel nous capable avancer un gros bisou avec toutes mesdames qui suivent et information ça yo et une belle la main avec toutes messieurs qui suivent information ça yo et c'est toute information ça que nous te gagne dans Jakoto pour nous te venir parler de li jodi a n'a dit ou pas déconnecté toujours été branché toujours été connecté avec nous et n'a tourner et un autre jour pour nous porter une autre vidéo pour nous porter une plus belle une plus bonne vidéo pour vous toujours et sur channel ça et n'a dit bye bye à la prochaine je vous aime tous.